Chers internotateurs et internotatrices, amateurs de canapé, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, puisque nous accueillons Sofa Games. Sofa, c'est mes games sevrautrés. Nous, on aime bien ça, sevrautrés, chez Trick Track. J'accueille Sofa Games pour un jeu que j'ai là entre les mains et qui vous répond au nom de Meister Iceland. C'est bien ça, Jérémy? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que tu fais là, Jérémy? Oui, toi, tu es chez Sofa Games maintenant, plus ou moins. Je travaille pour Sofa Games. Mais tu n'es pas l'auteur. Non, absolument pas. Je suis le rédacteur. Et donc, la personne qui est là, c'est Jérémy. Jonathan. Jérémy, Jonathan, Gigi. Jonathan, toi, tu es l'éditeur. L'éditeur. Mais tu n'es pas l'auteur de ça. Non. C'est qui l'auteur? Je l'ai senti. Parce que je suis incapable de savoir qui c'est, parce qu'en fait, il n'y a même pas de boîte dans les mains. Non, parce que c'est un prototype. Ah, c'est le prototype vraiment fini. C'est le prototype fini. C'est... D'accord, mais enfin fini, tu veux dire la règle est terminée. Ouais, la règle est terminée, l'illustre est terminée. Pas la qualité des cartes. Ah non, là, c'est découpé. C'est découpé avec amour, mais quand même un peu salement quand même. Hein. Donc, Julien Santis. Julien Santis, c'est bien ça. Chez Sofa Games. C'est bien ça. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. 2 à 4 joueurs. À partir de 7 ans. 7 ans. Ah, c'est vraiment familial. Ah, ben non, dites-moi, vous avez les informations en bas de votre écran et ça dure à peu près 15 minutes. Voilà, 15 minutes maximum. Dans une petite boîte carrée. C'est un peu le leitmotiv de Sofa Games. Ben voilà, c'est ça. Petits formats, c'est les petits formats, maximum 15 minutes, abstrait thématisé. Donc, Et pour le moment, avec le mot master dedans. C'est ça. Hein, pour le moment, je dis bien, on vous en reparlera peut-être un peu plus tard. Donc ceci, il n'y a pas de règles écrites, hein, je ne peux pas montrer à quoi ça ressemble le truc, mais c'est toi qui les as rédigées. Tout à fait, il y a 4 pages de règles. 4 pages comme ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Non, c'est 4 pages, si c'est comme ça, c'est long. Et je ne sais pas ce que c'est. On s'est partagé avec le Bobs, parce que vous avez présenté Masterline, oui, juste avant, qui était un peu un truc abstrait. Mmh. C'est aussi abstrait, mais il y a des meeples en voix, alors je me suis dit, je vais le faire. Alors j'ai envie de dire, Jeremiah. Comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, nous incarnons des explorateurs. Nous partons à la découverte des îles sur les océans. Après les avoir découvertes, nous allons les conquérir et ensuite nous allons ravitailler. Donc, comment ça marche? Le but du jeu, ça va être de récupérer ces îles, donc de les prendre, de les retirer du jeu. Celui qui a 2 joueurs, 12 cartes ou plus, a gagné la partie. À 3 joueurs, 10 cartes, et à 4 joueurs, 8 cartes. Voilà. Celui qui en a accumulé le nombre prescrit a gagné la partie. Tout à fait. Oui, c'est, y a j'ai pas 8 de, cartes, ça s'arrête. L'autre, il a pas de notion de premier joueur dans d'accord. le sens où les cartes et les effets des bateaux sont communs à tous les joueurs. Ça me va. Donc, comment récupérer ces cartes? Ici, donc, le but est de réaliser un alignement de cartes îles. Nous verrons comment on fait pour les poser après. L'alignement peut être consécutif ou non, c'est-à-dire il peut y avoir un trou ici, je pourrais récupérer les cartes là et les cartes là-bas. D'accord. Je ne peux pas récupérer les cartes où il y a des galions dessus. Des galions, alors il y en a des galions, plusieurs couleurs. Voilà, tout à fait, que ce soit le nôtre ou un autre, ou ceux de l'adversaire. Dès qu'il y a un galion dessus, je ne peux pas récupérer la carte. Et la somme des cartes récupérées doit être exactement égale à 10. Exactement à 10, pas au moins 10. Donc, dans l'exemple ici, je pourrais récupérer ces cartes-là, ça fait 6, 9 et 10. D'accord. Ou je pourrais très bien prendre celle-ci. Voilà, c'est au choix du joueur. Ok, tu peux faire 10. Voilà. Le but, c'est de faire 10. Je ne prends pas celle-là parce que ça ferait 11. Mais voilà, elles peuvent être séparées, il n'y a pas de souci. Et celle que je récupère, il n'y a pas de galion dessus. Donc, le tour du joueur se passe de la manière suivante. J'avais parlé de phases de découverte, de conquête et de ravitaillement. Donc, ça va être ça. Déjà, la découverte, j'ai 2 actions obligatoires à faire. Mais ces actions, je peux les faire dans l'ordre que je veux. Quelles sont ces actions? D'abord, j'ai 3 cartes en main. Je vais pouvoir poser une carte. Admettons que je joue les blancs. Sur un emplacement libre adjacent à la position de mon galion. Donc ici, à la limite, je n'ai pas trop le choix, je dois le poser ici. Voilà. Si par exemple mon galion était là, j'aurais pu poser ici, ici ou là. Simple. Voilà. Pas okay. Et si tu as 2 galions, parce que je vois qu'on a absolument, on a 2 galions tu chacun, décides là je là. Décide là ou là. Jusque-là, c'est assez clair pour mon petit esprit vieillissant. La seconde action, c'est je dois bouger l'un de mes galions, aucun rapport avec la pose précédente, d'accord, d'une case, verticalement, horizontalement, d'une île. Donc je pourrais faire ça ici, ou je pourrais faire ça là, ou ça là. Ok. Là, pas de souci non plus. Comme je vous ai dit, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Donc, si je voulais poser mon île ici, d'abord, je bouge mon galion, et ensuite, je peux poser ma main à l'adjacent. Pas de souci, ultra simple. Petit bonus de couleurs, parce qu'on a des couleurs différentes sur les cartes, hein, il y a 4 couleurs. Si je pose
une carte île de la même couleur que la carte où était mon galion, je gagne une phase découverte supplémentaire, c'est-à-dire pose mouvement ou mouvement pose. D'accord. Et si à nouveau j'ai encore remis une couleur identique, je peux à nouveau encore faire jusqu'à ce que j'ai épuisé ma main. Voilà, je ne replonge pas de carte immédiatement. Quand tu dis épuisé, c'est plus de cartes, c'est pas la main qui est fatiguée de ah là, j'en peux plus, j'ai une tendinite, je m'arrête. On est alors, d'accord. On a le projet de faire en fait des cartes en bois justement. D'accord, très lourd, très lourd. Okay. Voilà. Ce sera un nouveau palier du crowdfunding. Voilà pour la phase découverte. Donc je pose, je bouge, ou je bouge, je pose, avec le petit bonus couleur. Ensuite, phase conquête. La phase conquête, c'est très simple. En fait, c'est juste un état. On vérifie si on a fait un alignement et on peut le récupérer, comme j'ai dit au début de la vidéo. On peut, donc c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Si je fais deux alignements, j'en choisis qu'un seul. D'accord. Voilà. Et phase ravitaillement, je recomplète ma main à trois cartes. Et c'est au joueur suivant. Et après, c'est au joueur suivant. Quel est l'intérêt de ne pas prendre un alignement? Aucun? Plutôt aucun. Voilà. Ouais, donc le voilà. Peu, il est là. Mais le peu, aucun, voilà. Voilà. Non, jamais, il faut tout prévoir. Voilà. Là, on sait tout donc, pour jouer, là. Tout à fait. Là, c'est l'intégralité. On parlera après du crowdfunding, parce qu'a priori, le jeu n'est pas encore édité. Tu vas lancer en participatif. C'est ça, à partir du 20 mars. Ok, on essaye de jouer. Parce que là, on a explication 6 minutes, et la partie fait 15 minutes. On a fait le tour sur la rejouabilité au niveau de la couleur? Oui, il a dit. Ouais, c'est bon, j'ai tout d'accord. Fait. Ouais, moi, j'ai tout compris, je crois. Okay. Comment on commence là? Tu as fait une mise à une donc, mise la mise en place est la suivante. On prend les cartes, on les mélange. On choisit une autre couleur. Hop là, allez-y, prenez une couleur de galion. Donc, Jérémy, tu prends quelle couleur? Je vais prendre noir, je suis noir. Non. Allez, noir. Alors, je suis désolé, il n'y a pas de vert. C'est pas grave, c'est mauvais comme jeu. Le blanc, moi, je suis la pureté, ça me va. Allez, non, on a pris volontairement des couleurs de galion différentes. C'est deux, parce que j'ai trois. Des couleurs de galion différentes des couleurs des îles pour éviter de générer dans l'esprit du joueur une corrélation entre les deux. Donc on mélange, on a choisi nos couleurs, on distribue trois cartes chacun que l'on regarde. Tac. Cela devient la pioche, on retourne la première carte. Et on met tous nos galions dessus. Tout à fait. Voilà. Alors le dernier qui a posé le pied sur une île commence. Enfin, j'en sais rien moi. Bon, allez. L'île Saint-Louis, j'étais à Paris il y a quelques jours. Alors je commence, donc je prends une carte. Donc ça c'est vert, hein. Donc si j'avais du vert, ça aurait été cool, mais j'ai pas de vert. Donc je vais. La contrainte du premier joueur, par exemple. Ouais, ok. Bon, écoute, on s'en fout, hein. Je vais mettre en deux qui est là. Et puis je peux me déplacer. Alors ce que je vais faire immédiatement ça. Ah, c'est pas peu, c'est doigt. Je dois. Ouais, voilà. Et là, je pioche. Absolument, parce que c'est pas la même couleur. Donc voilà. On va la mettre là. Ça marche. Oui, c'est tout simple. Hein. À moi, donc je vais montrer un exemple pour rejouer. D'abord, je vais bouger pour me mettre sur le bleu. Ensuite, je pose une carte de la même couleur, donc j'ai droit à nouveau à une phase découverte. Et par exemple, je pourrais poser ici, à côté de mon galion, et bouger ici. Okay. Voilà, ce n'est pas la même couleur. Donc là, c'est le premier à 8 cartes, nous, à 3 À 8 cartes. 8 cartes au moins gagnent la partie. Mais il faut des cartes où il n'y a pas de galion. Ok. Donc le but, c'est vrai, cette histoire de bonus pour jouer beaucoup de cartes, on a tendance à tout poser. Autant garder ces bonus pour finir un alignement et le récupérer immédiatement, les cartes bénéficient à tout le monde. Ouais, je vois. Là, par exemple, Joe, il nous a mis un 4 et il est parti. Donc il est libre et c'est bien pour nous. Ouais, mais il faut faire 10, quoi. Tout à fait. Donc, les quatre couleurs sont réparties de la manière suivante. Alors, ce que je vais faire ça. Ouais, il y a... Il y a une carte 5, deux cartes 4 et 3-3, 3-2, 3-1 par couleur. Sur un gagnant où je suis, il faut que je pose. Hein. Tout à fait. Donc là, je fais ça, j'ai droit à un mouvement. Oui, absolument. Je fais ça, mais comme j'ai joué, j'ai redroit. Ouais. Donc, je fais ça. Oui. Donc là, voilà. Très bien. Voilà. Ça marche, hein. 4, 5, 6, 7, mais bon. Je vais aller là pour pas que vous puissiez avoir ça marche, deux, voilà. Ce mouvement. Et là, on peut rejouer encore. Je peux rejouer, le bonus, on peut, on n'est pas forcé. La carte est autour de là où on a un galion, donc je peux pas. Donc je pioche deux cartes maintenant. On est d'accord, parce que là je fais pas d'alignement. Hein, je peux regarder. Donc j'ai deux cartes. Parfait. Oui, il faut combiner ça fait mal au crâne, c'est savoir. Voilà, nos galions vont servir à s'étendre, mais le problème, il va aussi servir à bloquer. Le placement, c'est dire, voilà, je vais commencer à faire une ligne, mais je vais essayer d'être pas loin des bonnes couleurs pour faire rapidement toutes mes cartes et faire un alignement. Donc voilà. Je vais vous laisser jouer un peu, ou je vais vous embêter. On va mettre ça ici, et je vais prendre le 4. C'est à vous, je vous laisse vous battre.
On serait tenté de jouer que les grosses cartes, mais le problème, c'est que les grosses cartes, on ne récupère que 2 à 3 cartes à chaque fois. Le but, c'est de faire un bel alignement avec des 2 et des 1 et de récupérer énormément de cartes. Évidemment. Évidemment. Allez, il joue tout ce qu'il a, lui. C'est à moi, donc. Tout à fait. Et là, il faut que je réfléchisse un peu. Donc, les alignements peuvent être horizontaux, verticaux, mais aussi diagonaux. C'est moins facile à visualiser. Ah, donc là, il y a du coup à faire. Donc, en gros, je suis pas gros. Si je fais ça… Non. Pourquoi non? Ah oui, il faut que je me déplace. Ah oui, mais c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon, ça la difficulté. Si, c'est bon. Parce que je peux bouger n'importe lequel de mes bateaux. C'est ça, après, tout à fait. Alors, attends, si je fais ça, c'est là qu'il faut que je réfléchisse. Si je viens là, je peux poser ça, ce qui va me permettre de rejouer. Oui, ça marche. Ça marche. Donc, je me déplace. Très bien. J'essaye. Hein. Je vais le coucher pour… je viens de là. Hein. Je fais ça. Donc là, je peux rejouer. Tout voilà. À fait. Donc, là, donc je fais ça. Ouais. Je peux bouger lui. C'est ça. Tout à fait. Et donc, ça fait 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10, parfait. Donc là, tu gagnes 5 points. 5 points, j'ai 4 cartes. 5 cartes. Tout à fait. 5 cartes. Donc là, c'est un bon coup parce qu'en une seule conquête, on récupère 5 cartes. Voilà, donc plus de la moitié des points de victoire à atteindre. Quel talent. Et là, j'ai le droit de rejouer encore. Est-ce que c'était la même couleur? Alors, dès qu'on fait un pli. On est passé. Ouais. C'est dans l'ordre des phases. C'est-à-dire, comme on est passé en là, phase conquête, voilà. Après, on peut le faire. J'aurais pu rejouer et ensuite récupérer. Tout à fait. Attends, peut-être j'aurais pu parce que ça ne change rien de toute façon. Hein. Je réfléchis. Maintenant, c'est de donner une carte aux autres. C'est toujours pareil. Voilà. Donc, je prends 2 cartes. Oh, j'ai bien aimé ce coup. Mmh. Oui, ça va très très vite. Hein. Ah, c'est... Combien ça va coûter? Comment? Le jeu fini coûte 14,90. 14,90. C'est chaud le 4 au milieu là. Hein. Bon, je vais le prendre, hein, comme ça embêtera personne. Bleu, je peux rejouer. Tac. Je vais bouger lui. Joli. Là, il prend aussi. T'en as 4. Mais je récupère que 4. Que 3. Que 3, pourquoi? Oui, parce que c'est. Parce que c'est ok, j'ai pas vu. Ça devient chaud. Ah bah ouais, moi je passe derrière tout le monde là. C'est. À 2, ça va être encore plus tendu quoi. Ah, et en 2, c'est. C'est un vrai jeu de stratégie. À 2, donc il y a moins de galions aussi. Je fais ça pour occuper le. Les ouvertures se font plus rapidement, d'où le nombre de cartes de victoire supérieure. Alors, il faut que tu bouges peut-être, non? T'as pas bougé. C'est bon, si. J'ai d'abord bougé et ensuite j'ai bougé. J'ai pas vu. C'est 4, 5, c'est cadeau. 6, 7, c'est cadeau. C'est cadeau. Ouais, mais bon, puis j'ai. Non, c'est pas bon. J'ai pas grand chose. 4. Ah oui, c'est 4. Alors, est-ce que je peux le faire? Si je mets ça là, je vais bouger, je vais mettre ça là. Je vais pouvoir rejouer. Dans quel ordre je le fais? Ça, c'est la. C'est ah oui, non, ça marche. C'est vraiment toute la partie stratégie, savoir si on bouge d'abord son galion. Eh oui, c'est là le truc, c'est ça. Parce que je peux peut-être, je peux peut-être gagner là. Parce qu'il m'en faut, 3. Hein. Ou plus. Ouais, 3 ou plus. Je peux, parce que je peux jouer là. Là, il manque 3 points sur la ligne centrale. Je les ai. Je les ai, mais il faut que je puisse revenir en arrière. Parce que si je mets ce 3 là, je montre aux gens, j'ai un 3. Donc pour pouvoir le mettre là, il faut que j'avance lui ici. Non, il y a un blanc là. Où est-ce qu'il y a? Ouais, mais. Ah oui, je peux le mettre là. Oui, ça, ça on s'en fout. Et on bouge l'autre. Ah, oui, ça, oui donc c'est facile, c'est gagné. Parce que si je fais ça, voilà. Et puis je bouge, je montre voilà, ça ici voilà, par exemple. Et voilà. C'est cadeau. Et puis j'ai fini en fait. Parce que je peux jouer du rouge, mais on s'en fout. C'est pas, parce que là, j'ai 3 et 3, 3, 4, 3 et 4, 4, 8, 10. Je prends, ouais, tout je prends ça. Tu prends tout ça. Et là, j'en ai 9. 9, encore un point. 10. À 3, c'est 10. Pardon. 10, à 3, 10, c'est 10. Ah, mais alors ça change tout, ça. Ouais, 10 à 3. Ah, d'accord, j'étais sur 8. Ah, mais j'ai pas gagné encore. J'aurais pu faire autrement. C'est qu'on a fait tellement de parties à 8. J'ai demandé si c'était 8 ou 10. Non, 8 à 4. Ok, d'accord. On a fait tellement de parties à 4 joueurs que. Autant pour moi. C'est vrai qu'on a fait. J'aurais pu calculer, mais. On a fait énormément de parties à. Je fais ça. Non, mais c'est bon. On m'aurait pas comme ça. Si je perds cette partie, on va s'expliquer en droit de faire. Un point là, j'aurais pu l'avoir, je suis sûr.
Par contre, toi, t'es mal là, pour faire des alignements. Hein. Oui, là, je suis mal. Il nous laisse des boulevards, hein, ça lui apprendra. Hein. Voilà. Ok. Il faut en remettre maintenant. Hein. C'est bon. Ouais. Pas facile ce coup. Hein. Ouais, mais on n'aurait pas dû arriver jusqu'à là, parce que je suis sûr que j'aurais pu. Quoi, rêve. Là, ça devient chaud maintenant. C'était fait exprès, les internotateurs adorent entendre le falcouiner. Non, ça va. Là. Tout va bien. Un 2, mais je vais le mettre où ce 2? Je vais le mettre là pour pouvoir revenir ici. Et je peux rejouer. Hein. Non, ça c'était pas rouge là. C'était pas vert. Ouais, mais c'est vert là. Ah, mais c'est. Ah, c'est la couleur. Ah, ouais. Ah bah, tant mieux parce que j'avais pas envie de rejouer. Non, très, en bien. Très bien. Tout se passe bien alors. Là, tu vas pas gagner grand chose. Hein. J'ai quelques grosses cartes, donc je peux peut-être faire un hold-up. Il n'y en a qu'une, c'est scandaleux. Ah là, c'est frustrant. Hein. Sauf que j'aurais pu peut-être me débrouiller pour l'avoir. Ah oui, pour déposer bah, un 1 oui, ou… Oui, attendre un petit peu, à déposer un 1 entre-temps. C'est trop simple. Ouais. Toi, il t'en manque plein. Moi, je suis à 3, moi. Ça va, j'ai du temps. Parce qu'en récupérer 7, c'est compliqué. Donc, hein. Si je fais ça et je vais dessus, vert, je peux rejouer. Je vais poser ça et je reviendrai. Ah oui, joli. Mais c'est un petit coup. Voilà. Ah c'est un petit coup, mais ça t'approche de la. Ok, bon, allez, on va essayer d'avancer un peu. Ouais, j'ai forcément. Bon, je donne du point. Oh là là. On pose de la grosse carte, là. T'es fou, toi. Ah, mais je suis obligé, j'ai que de la grosse. Ouais, t'es fou, toi. C'est pas forcément la taille qui compte. Hein. Ouais, parce que là, c'est fini, les gars, on joue tout de suite. Hein. Que j'ai posé, je vais d'abord me déplacer. Ça fait. J'ai posé un 4. Crac. J'ai posé un 2, un 3. Et retourne. J'ai posé un 2. Et là, je pense que je peux faire ce que je veux. Hein. 4, 5, 6, 7, 8. Non, je vais prendre le. Je fais quoi le, bon, je vais prendre le 5. Ouais. 5. J'aimerais bien. Bah, le 4 et le 1. Comme ça, 3. Ah, bah non, tu peux faire. Voilà, ouais, c'est ça. C'est le maximum que je puisse faire. Ça te fait 13 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est beau. 13. Mais là, ton 5. Ah ouais, non, mais. J'avais le super truc, j'avais 3 rouges dans la ligne droite, l'alignement. C'était 5 ou 4, et dans tous les cas, tu. Ouais, oui, t'étais pas bien. Oh, bah, on a compris les tenants et les aboutissants de Master Islands avec un S. Voilà, effectivement, c'est sobre, simple. T'as plusieurs rapide, modes de jeu. Efficace. Hein. Il y a plusieurs modes, c'est-à-dire. T'as le mode 2 contre 2 en équipe. Ah ouais, un coopératif où nous avons chacun un galion de couleurs différentes. Voilà. Donc admettons voilà, noir, blanc, marron et gris. Les joueurs opposés en fait cumulent leurs points. Ouais, ok. Donc c'est sympathique. Et Jonathan dernièrement a... Bah, le mode corsaire, un contre tous. C'est, tous les joueurs jouent avec un seul bateau. Simplement le corsaire joue avec deux bateaux mais sans carte. Et le but du corsaire c'est d'empêcher les autres joueurs de faire leur alignement avant le temps de tour. D'accord, ok. Et par contre le corsaire peut se faire semer. Étant donné qu'il ne pose pas de carte, supposons qu'il se retrouve tout seul sur une île, il est semé. Donc son bateau... Ok. Voilà. Donc ça fait trois modes différents. Donc si j'ai bien compris, tu fais un financement participatif sur quelle plateforme? Sur Ulule. Sur Ulule. Quand est-ce que tu lances ça? Le 20 mars. Ah ben c'est bientôt, parce que là on est le 12-13 mars 2015. Donc vendredi prochain. Vendredi prochain. Bon. Ou samedi. Donc, ben, ou samedi. Après il y a des gens qui regardent cette vidéo voilà, un peu plus tard. Il te faut combien pour le financer? 8000 euros. 8000 euros quand même. Et la date de prévision de sortie du jeu c'est? C'est juin, courant juin. Juin 2015. Oui, juin 2015, oui. Troisième semaine de juin. D'accord. Bon, bah, écoute, j'espère que ça va fonctionner, mais il n'y a pas de raison. Si jamais tu n'atteins pas le niveau, qu'est-ce qui se passe? Ben, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, d'accord. Ok, bon, écoute, on va bien voir. En tout cas,
Bah, ça marche. Hein. Bon, ceci dit, je ne suis pas un grand spécialiste de ce type de jeu, mais c'est à portée. Hein. Ça, bah, ça, oui, c'est ça, vraiment à portée. Ça tout, te donne l'impression d'être un peu intelligent, parce que tu fais des additions, donc ça fonctionne. Donc, c'est Master Island, un jeu de Julien Santis. C'est ça, illustré par Boris Moncel et édité chez nous, Safa Games. Alors, on n'a pas montré, mais si on regarde en caméra déportée, chaque carte est un peu illustrée. Voilà, vous retrouvez également quelques clins d'œil. Hein. C'est par exemple la France. Ah oui. Avec la Corse, il y a pas mal de clins d'œil. Hein, D'accord. Voilà. Et donc, ça coûtera dans le commerce 15 euros quand il sera édité, mais sur la plateforme de financement, ça sera… Bah, 14 euros, mais avec les avantages. Okay. D'accord. Le nombre d'îles correspond à la valeur de la carte, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Voilà, par exemple, la 4 îles. Okay. Et le thème de l'île correspond à la couleur, pour ceux qui ont un peu du mal avec vert, les tropical, couleurs, donc, okay. Volcanique, rouge. Petit travail d'édition, plutôt bien pensé. Merci messieurs, merci Jérémy, merci Jonathan, monsieur J.J. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Au plaisir. Au plaisir. Jenny Wright.